Le grand bonheur aujourd'hui, c'est de permettre à nos élèves de la série Sciences de l'ingénieur de rencontrer une entreprise et de démarrer un partenariat sur un cycle de 2 ans, on va dire, l'entreprise EPI Robotique de Vasselonne, ce qui va permettre à nos élèves de rencontrer sur le terrain, très concrètement, des ingénieurs, des techniciens qui mettent en œuvre des compétences qu'eux étudient de façon théorique en cours. Concrètement, ce que cela signifie, c'est que ces élèves bénéficient de cours traditionnels avec leurs 2 enseignants. Ils ont des travaux pratiques. Mais le fait d'avoir une entreprise partenaire va permettre d'aller au-delà, d'aller plus loin que les travaux pratiques, au-delà du cours, à travers des exemples concrets de ce que fait cette entreprise. Entreprise qui intègre des robots, etc. Et donc, nos élèves vont... D'abord, les enseignants vont aller dans l'entreprise préparer un programme pédagogique. Ça, c'est la prochaine étape dans les prochains jours. Et après, il y aura un cycle de rencontres, de visites, soit dans l'entreprise par des petits groupes d'élèves, soit chez des clients d'entreprise, voir in situ ce que cette entreprise fait, sous la forme de stage également, ça c'est plus individuel, pendant les vacances scolaires, sous la forme d'interventions en cours, en langue anglaise, voilà des choses qui sont prévues, mais ce n'est qu'une partie du programme. J'imagine qu'il y aura encore d'autres idées dans les semaines, dans les mois à venir. On est dans un lycée général. Et c'est vrai que nos élèves ont parfois tendance à ignorer la réalité économique de notre territoire et de notre pays. Ils ont tous des projets professionnels très vagues. Ils ont des projets d'études, mais ils ont beaucoup de mal à se projeter, je dirais, vers le métier. S'imaginons que ça, c'est pour les élèves de bac pro, de bac technologique. Eux sont des bacheliers généraux et l'entreprise, le métier, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard, le plus tard possible. Et je pense que c'est une erreur et nous essayons depuis plusieurs années de faire entrer les entreprises dans notre lycée.